Oh, we're good to go. All right, we better kick off. What time is it? We're only 4 minutes late. That's good. So, welcome to yet another session about interoperability. Bonsoir à tous, bienvenue encore à cette session sur This one is l'interopérabilité. Et celui-ci est assez simple parce que ce qu'on a eu à faire, c'est que on a collecté les résumés. Et pour ce qui est de la photo, de l'âne, ce n'est pas très pertinent. Donc, je m'appelle Bob, pour ceux qui me connaissent déjà. Et ceux qui ne me connaissent pas, maintenant, vous savez que je m'appelle Bob. Donc, voilà, nous avons un 6 exposés, 3 sont en ligne. Et les autres sont en présentiel. Je l'espère. J'espère qu'ils sont déjà dans la salle. On a Comfort, on a aussi Dong, on a Vincent. Voilà, ils sont là. Donc, je vais commencer par ceux qui vont faire la présentation en ligne. À cause des problèmes techniques, si quelqu'un a des problèmes, on va juste aller sur le deuxième présentateur et on reviendra sur lui après. Donc, vous êtes tous les bienvenus. Sans perdre du temps, je crois que nous allons commencer. On commence par les trois premiers et puis ainsi de suite. Donc, Monsieur Mfati du Lesotho. Nous allons vous passer la parole pour débuter. Merci. Merci. Est-ce que je suis audible? So can you hear me? Yes, we can. Okay, thank you so much. Thank you for the opportunity for having us. Merci de cette opportunité de nous avoir parmi vous. Je m'appelle Mpazi et je suis dit Lesotho, un pays très petit, un pays montagneux qui est à l'intérieur de l'Afrique du Sud. J'enseigne l'informatique à l'université de Slo. Monsieur Mopati, on ne voit pas votre écran. On vous entend très bien, mais on ne voit pas encore votre écran. Je vais essayer encore. On peut voir l'écran en fait sur Zoom. Parfait, on continue. Merci beaucoup. Alors, j'étais en train de me présenter. Je suis avec mon collègue de l'Université nationale de Lesotho. Nous sommes en train de travailler sur le renforcement des systèmes d'information sanitaire. Nous allons partager nos efforts récents et nos succès pour mettre en place des solutions d'intégration des HIS2 pour l'écosystème de gestion des informations sanitaires au Lesotho. Voilà le plan de la présentation. Je vais commencer avec le background par rapport à l'interopérabilité, le travail lié. Je vais aussi parler du design de la personnalisation que nous avons proposée, et les tests d'implémentation, les tests, la conclusion, mais nous avons aussi donné quelques recommandations. D'abord, un peu de background. Le système de gestion d'information sanitaire Lesotho couvre plus de
90% des informations sanitaires et c'est utilisé pour gérer les programmes VIH et les programmes liés à la tuberculose. Les données sont récupérées à partir de plusieurs systèmes qui sont OpenMRS, un système de pharmacie qu'on essaie de mettre en place. Et les systèmes sont accessibles à travers l'interface BAMUNI. Et puis, sur la base des informations qui sont saisies, les informations sont saisies au niveau des établissements et envoyées au niveau de l'entrepôt des HIC2 au niveau national sous le format agrégé. Et puis, c'est utilisé pour des fins d'analyse une fois dans l'entrepôt des HIC2. Les systèmes sont localisés, comme vous pouvez le voir ici. Nous avons d'autres systèmes pour numériser la composante du laboratoire dans l'établissement. Nous utilisons Open Analyse. Donc, ça, c'est un peu de background. Maintenant, les problèmes que nous rencontrons actuellement dans notre écosystème, pour être spécifique, pour pouvoir envoyer les informations des points de soins au niveau des établissements vers des HS2, nous utilisons principalement le module de connecteur OpenMRS des HS2. Nous avons une autre solution que nous avons adoptée qui s'appelle, c'est une application en fait d'intégration des HS2 BAMUNI à cause des différentes lacunes du connecteur des HS2 que je vais vous expliquer un peu plus tard. J'aimerais ajouter que le connecteur des HS2, c'est le module de connecteur des HS2, c'est une solution qui nous aide à vraiment à intégrer facilement les données qui viennent des établissements sanitaires avec OpenMRS pour pouvoir soumettre les rapports au niveau de l'entrepôt des HS2. Cependant, le module du connecteur ne peut pas être utilisé. Il est très difficile pour nous de l'utiliser pour cartographier les données, et par exemple, à partir du système de pharmacie qui utilise Odoo. Et donc, c'est difficile pour nous d'accéder à ces données. C'est pourquoi nous avons cherché l'application d'intégration BAMI des HST. C'est une autre solution, c'est plus flexible et c'est facile à utiliser. Maintenant, ce n'est pas encore mature et ça manque certaines fonctionnalités essentielles. Par exemple, les rapports planifiés automatiques, la soumission des rapports planifiés de manière automatique. Donc, il faut une intervention vraiment manuelle. On ne peut pas le faire automatiquement. Il faut entrer dans le système BAMI et cliquer et soumettre l'information, ce qui n'est pas vraiment très pratique pour le système de production que nous avons au niveau de plus de 100 établissements sanitaires. C'est notre approche. Alors, notre approche, c'était d'améliorer cette application d'intégration pour, n'est-ce pas, que cette application soit plus flexible et facile à utiliser. Maintenant, l'objectif de notre solution, l'objectif c'était d'améliorer l'intégration, l'application d'intégration des HS2 pour qu'elle soit facile à utiliser afin de soumettre les informations à partir de différents établissements vers l'entrepôt des HS2. Il y a plusieurs objectifs qui sont listés ici. Maintenant, les exigences du système. Dans cette diapositive, nous avons un certain nombre d'exigences qui étaient vraiment très importantes pour nous
afin, n'est-ce pas, de résoudre le problème. Il y avait des exigences fonctionnelles, des exigences non fonctionnelles. Et au niveau des exigences fonctionnelles, il fallait, n'est-ce pas, gérer les configurations automatiques pour la cartographie et planifier des rapports BAMI vers DH. And also manage log reports for scheduled mapping of BAMI reports to DHIS2. Whereas on the non-functional side, we have usability. The system needs to be usable enough for the users to find it easy to use the system. We also have security on the non-functional part, as well as extensibility and the fact that we need the solution to be performant. Now coming to related works or solutions that actually do or partly do what it is that we want to achieve, which is pushing information from our point of care systems to the data warehouse. We have the DHIS2 connector module that I've already tried to cover briefly in the previous pour slide. Ce qui est des solutions, il y a le module dont j'ai déjà parlé par le passé, et je veux rappeler que la faiblesse de ce module, selon notre contexte, c'est que c'est très difficile d'avoir des données de certains systèmes que nous avons, et on a besoin de connecter le module DHIS2 aussi avec les autres. Également, il y a le système. Ça veut dire que nous avons du mal à arriver à nos objectifs, même si je dois dire que c'est vraiment une application mature qui est capable de cartographier OpenMRS, MRS très bien. J'aimerais te rappeler qu'il ne te reste qu'une minute pour conclure. Désolé. Alors, nous avons l'application d'intégration DHS2 qui doit être modifiée pour pouvoir résoudre les problèmes que nous avons. Maintenant, parlons de design. Au niveau des solutions, la principale composante, c'est, n'est-ce pas, Data Scheduler Daemon, dont la principale fonction est d'automatiser la cartographie pour OpenMRS ou le système d'information des pharmacies vers DHS2. Donc, il y a d'autres applications qui ont été créées, développées pour pouvoir soutenir la fonctionnalité dont l'on a besoin. Parlons de l'interface d'utilisateur. Il y a voilà l'interface que nous avons proposée qui sera facile à utiliser pour nos utilisateurs. Il y a beaucoup d'onglets. Vous pouvez voir semaine, mois et trimestre pour les différentes périodes qui peuvent être programmées. Voilà aussi les tableaux que nous avons proposés pour soutenir la fonctionnalité dont nous avons besoin. Et maintenant, par rapport à Scheduling Daemon, la principale proposition que nous avons faite, ça aide à vérifier par rapport aux demandes d'utilisateurs. Donc, ça aide à vérifier si vraiment tel ou tel rapport est attendu à telle ou telle date. Maintenant, parlons de l'implémentation. Nous avons utilisé Scrum, parce que ça nous a permis à être agile et à nous adapter pendant le processus de développement. Maintenant, en parlant des outils, nous avons utilisé beaucoup d'outils, mais j'aimerais parler spécifiquement de DHIS2 Web API qui nous a vraiment beaucoup aidé à poster les données qu'on envoyait déjà à travers les instances des DHIS2. Ça nous a vraiment beaucoup aidé. Je pense qu'on doit devoir vous arrêter. Il est intéressant de voir comment les différents outils ont été développés. Je pense que vous allez partager toutes ces présentations avec
et l'assistance avec tous ceux qui nous suivent, mais on doit, n'est-ce pas, donner la parole à quelqu'un d'autre. Maintenant, nous allons donner la parole à Tuzo. Tuzo, est-ce que tu es avec nous? Oui, je peux vous entendre. Vous avez 10 minutes, Monsieur Tuzo. Merci beaucoup. Dites-moi si vous pouvez vraiment voir mon écran. Bon après-midi à tout le monde. Une fois encore, je m'appelle Tuzo. Je travaille avec ISP Tanzanie comme un conseiller au sein du système de gestion d'information sanitaire. Je vais vous partager l'histoire sur l'intégration du registre de vaccination en Tanzanie avec DHS2 qui est utilisé dans le pays depuis plusieurs années. Dans ma présentation, je vais parcourir les 4 points. Il y aura une introduction, la méthodologie, résultats que nous avons pu avoir par rapport à l'interopérabilité de ces 2 systèmes. Et après, je vais conclure et vous partager les perspectives d'avenir. En guise d'introduction, il y a cette information sur ce système d'information de vaccination qui a été numérisé pour pouvoir collecter les informations qui arrivent à temps. Mais avant, on avait des outils Tuha. C'était un registre qui devrait être envoyé chaque mois à DHS2 et ça collectait les mêmes informations, mais sous un format agrégé, un format de données agrégées. Il y avait aussi un autre système qui s'appelait VIMS, qui, n'est-ce pas, gérait la chaîne de vaccination du programme. Les officiels de vaccination demander les vaccins avec ce système, mais aussi soumettre les données avec le même outil, autant pour moi. Le défi, il y avait un parallélisme de système, le même officiel était obligé de, n'est-ce pas, d'utiliser différents outils. Il devrait utiliser TeamR pour enregistrer les enfants individuels qui étaient venus à l'hôpital pour se faire vacciner, mais aussi utiliser VIMS pour demander les vaccins pour tel ou tel établissement. Donc, c'était vraiment un fardeau pour les soignants, pour ces officiels du domaine de la santé. Alors, nous avons intégré les 3 outils. Teamly devrait communiquer avec le système d'information sur les vaccins. Et puis, ce registre de vaccination devrait enregistrer toutes les informations sur les enfants qui avaient été vaccinés et puis à la fin devrait aussi envoyer des données agrégées à DHS2. Comme vous pouvez le voir sur la structure, nous avons le flux des informations, des données à partir de VIMS et puis à Teamly. Vous voyez comment Teamly communique avec les autres logiciels pour comprendre même les sessions de vaccination, mais à la fin, pour n'est-ce pas, enlever le fardeau, il fallait avoir des informations agrégées et les envoyer au niveau de DHS2. Nous avons piloté ces activités dans 2 régions. Il s'agit de Mwanza et de Kilimanjaro.
pour que le registre ne soit plus utilisé. Et plus tard, après avoir intégré, nous avons utilisé l'API disponible de DHSD pour nous assurer que les données venaient de TeamLead vers DHSD à la fin du mois. Après avoir fait cela, comme vous pouvez le voir, DHSD c'est un outil d'analyse. Les gestionnaires de données ou les gestionnaires au niveau de la prise de décision peuvent maintenant utiliser DHSD avec les autres informations existantes pour produire un rapport qui puisse les aider dans la prise de décision. Maintenant, par rapport aux résultats, nous avons réduit le fardeau du personnel soignant pour nous assurer que les membres de ce personnel ne soient pas surchargés. Nous avons également réduit le nombre de systèmes. Au lieu d'avoir plusieurs systèmes avec lesquels le soignant doit interagir, maintenant, le soignant interagit avec un seul outil, le système d'enregistrement, et puis les informations sont envoyées à DHS2. Maintenant, les décideurs maintenant ont accès aux données à temps, et puis le système est là et c'est un système qui communique. C'est ce qui a été fait, mais comme je l'ai déjà dit, on a piloté ces activités dans deux régions et tout avance très bien. Le plan que nous avons actuellement, nous voulons mettre à l'échelle ces activités pour, n'est-ce pas, mener les mêmes activités dans les 26 régions du pays et, afin de nous assurer que cette initiative est mise à l'échelle sur tout le territoire national. Une autre chose. Nous sommes en train de renforcer les capacités des utilisateurs pour nous assurer que même les soignants ne sachent pas seulement utiliser TeamLead, mais aussi sachent utiliser DHIS2 pour identifier les différentes lacunes dans les données qui ont été soumises. Ça peut aussi les aider dans la planification, mais aussi lorsqu'ils sont en train de planifier pour les mois qui arrive dans le cadre de la fourniture de services. Alors, tout ça a été fait pour que les soignants soient capables d'interagir avec DHS2, avoir les données analytiques et s'assurer que tout est bien. Je vous remercie. Et voilà ce que j'avais à vous partager. Et vos questions sont les bienvenues. Nous remercions l'orateur et nous avons dit que nous allons prendre les questions après. Donc, vous pouvez les écrire dans la discussion ou dans le chat. Maintenant, Monsieur Mahmoud, vous êtes le bienvenu. Si vous pouvez partager votre écran, ce serait bien. Permettez-moi de faire le partage, m'assurer d'abord que vous pouvez voir mon écran. Est-ce que vous pouvez voir mon PowerPoint? OK. Bonsoir, bonjour, selon là où vous vous trouvez. Échanger avec vous tous l'expérience d'interopérabilité, comment on a fait pour améliorer la performance en matière d'interopérabilité en RDC. Donc, je suis le directeur qui a travaillé sur ce projet.
Juste pour vous parler un peu de notre entreprise, a été établie en 2007 au Bangladesh, où nous avons 22 membres du personnel. Vous avez vu que la plupart d'entre nous travaillent dans le domaine de la santé depuis un bon bout. Et sur la plateforme DHS2, nous sommes en train de travailler depuis plus de 5 ans, notamment au Burkina Faso, au Bénin, au Botswana, en RDC et aussi au Mali. La carte vous montre clairement là où notre CIS a été implémenté, et je vais me focaliser sur le travail de la RDC pour ce qui est de nos discussions du jour. Je vais à la diapo suivante. Je vous dis que cette réunion a à voir avec l'interopérabilité de DHIS2 avec les autres systèmes d'information de gestion sanitaire, notamment celui qui est utilisé en RDC. Et le système a été développé en utilisant les fonds de USAID et aussi les fonds venant d'un projet. Et mon entreprise a travaillé pour pouvoir mettre cela en œuvre. Ce que InfoMed, l'application, la plateforme, pardon, de la RDC fait, c'est que les données que nous prenons, c'est que le InfoMed prend d'abord les données et il y a d'autres points de données dans InfoMed. Et lorsque nous prenons ces données, on les utilise pour la visualisation des tableau de bord, comme on le voit à côté. Ensuite, ce que nous avons fait, c'est que, permettez-moi de rappeler qu'on a développé, on a développé la plateforme en 2018 et on l'a lancée en 2019. Et les rapports et les données ont été incorporés en juin 2019. Puis, il y a eu des formations également durant le même mois. Et on a continuer jusqu'en 2022. Maintenant, pour ce qui est de la manière dont les données ont été transférées, permettez-moi d'utiliser le pointeur. C'est que les établissements étaient un peu éloignés. Ils nous envoient d'abord des rapports sous forme papier dans les districts. Voilà là où je suis en train de vous montrer. Et maintenant, après, ils ont des ordinateurs là-bas et c'est là-bas qu'on entre les données dans le rapport de DHS2. Maintenant, il y a les entrepôts de district et d'autres entrepôts au niveau central qui ont aussi des données qui entrent dans le DHS2. Puis, il y a d'autres sources de données également. Maintenant, toutes ces données-là sont envoyées périodiquement dans la plateforme InfoMed où il y a la visualisation des données. Voici une présentation de système électronique d'information sur la gestion sanitaire ici. Donc, on voit les différentes données qui sont prises en compte. Et voici une vue d'un tableau de bord type dans InfoMed. Maintenant, on va parler de notre raison d'être ici, c'est-à-dire l'expérience de l'interopérabilité. Donc, initialement, pour pouvoir transférer les données de DHS2 vers la plateforme InfoMed, nous utilisions le API de valeur de données, ce qu'on appelle en anglais Data Value Sets API, ce qu'on utilise pour pouvoir gérer les données et pouvoir les traiter de la meilleure manière. Pour vous donner une meilleure compréhension des chiffres que vous voyez ici, dans le DHS2 en RDC, il y a plus de 20 000 établissements de santé. Pour ce qui est des données produits, on a 114. Pour ce qui est des systèmes d'information sur la gestion logistique. Maintenant, il y a des catégories d'éléments qui sont de 1596, puis les catégories d'éléments de patients qui sont de 68. Et donc, la valeur des données la valeur des données maximales par mois est d'environ 33,28 millions qui peuvent être transférées de DHS2 vers InfoMed. Voilà comment se présentent les données dont je parle. Premièrement, c'est beaucoup trop, on va se dire. Je parle du nombre de données qui sont transférées chaque heure.
C'était tellement énorme qu'il fallait faire une sorte d'amélioration. La première étape, c'est qu'on a transféré de JSON à CSV. Le Data Value Set API dont je vous ai parlé pour le moment, on a commencé à utiliser CSV pour cela. Maintenant, voilà l'exemple des données qui sont venues en 2022. Voilà le graphique ici, selon les dates. Vous voyez que le 10 mai, en particulier de cette année 2022, nous avons eu des 491 mégabits de données qui ont été transférées en une heure. Et cela a 4,76 millions de valeurs de données. Et la taille des données était de 4,58 gigabits. Donc, vous imaginez la taille. Ensuite, quand on part dans InfoMed, les données sont réduites de 62%. Mais ce n'était pas toujours assez à cause de la taille des données qui sont transférées. Donc, il a fallu faire une deuxième amélioration. Ce que nous avons fait, c'est que on a fait le Queue Management System, c'est-à-dire qu'on a géré le système comme si on se trouvait à la banque. On arrive à la banque, il y a une sorte de queue. Donc, on s'aligne. Donc, de la même manière, on prend les données du DHCS2, on passe dans le CSV, et puis on transforme les data points ou les points de données. Ensuite, voilà ce qui vient de DHCS2 et on le change en ce que nous voyons en bas. Alors, je disais alors qu'on les transforme pour que les nombres d'exécutions soient réduits. Ensuite, j'ai essayé de vous simplifier le processus quand même. À partir de là, on part dans vers celui qui gère la queue. Ce que nous avons à ce niveau, c'est que nous avons les éléments qui viennent d'abord des systèmes d'information sur la gestion logistique. C'est comme une queue à la banque. Quand on partage ces données-là selon les domaines, on envoie les données dans chaque queue approprié et c'est synchronisé. Après, il y a un processus de consommation. Ils prennent à ce niveau-là les données de la première queue qu'on exécute et on l'envoie dans InfoMed. Ce qui signifie que les 5 exemples que vous voyez là sont exécutés par des consommateurs spécifiques sans avoir à surcharger le système, comme c'est le cas par le passé, quand il y a beaucoup de données qui viennent et il fallait les traiter un à un. Donc maintenant, quand on finit avec un donné, on l'envoie dans InfoMed. Quand il finit avec une autre donnée, il le traite et il envoie dans InfoMed afin qu'on garde un niveau donné de traitement de données pour qu'on n'arrive pas à des milliers et des millions de données avant de les traiter. Donc, c'est traiter une donnée après l'autre. Voici ce que nous avons fait pour pouvoir répondre à la demande en matière de serveurs et les nombres illimités de données que nous recevons à chaque fois. Ça a permis d'améliorer notre système. Voici une vue type du nombre de data points ou de points de données que vous avez. Maintenant, je vais vous parler des difficultés. Quand vous voulez avoir des données d'un système externe, c'est-à-dire peut-être des DHCS2 vers un système, il faut faire une sorte de cartographie de l'établissement de santé. Après, il fallait garder le catalogue des établissements en prenant en compte le fait qu'il y a beaucoup d'établissements de santé, il y a beaucoup de données qui viennent directement, donc ce n'est pas très facile de les gérer et de les synchroniser dans DHCS2 et InfoMed. Ensuite, il fallait vérifier à chaque fois quand est-ce que le processus de synchronisation s'arrêtait. Donc, ça augmentait le nombre de données à traiter. Ensuite, on essaie de traiter ces données-là et les recommencer à chaque fois. Après, il y a les queues séquentielles qui sont bloquées. Maintenant, il y a la question des colonnes qui ne sont pas fixées dans les fichiers CSV. Voilà un peu ce que je vais vous dire concernant l'expérience d'interopérabilité en RDC. Donc, j'en ai fini. Merci beaucoup.
Merci beaucoup d'avoir respecté la limite de temps. Maintenant, on va avancer. On comprend que l'interopérabilité est très importante. On a encore 5 minutes pour les questions de nos orateurs, à nos orateurs. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Est-ce que je devrais vous amener le micro dans la salle ou bien vous veniez au podium? Hi. So I have a question actually about the data volume. So originally it was in JSON, yeah? Oui, j'ai une question concernant la taille des données. Vous avez dit que vous avez changé de JSON à CSV parce que JSON était en train de prendre beaucoup de temps. Mais je ne sais pas, il n'y avait pas un meilleur moyen de résoudre le problème dans JSON ou bien vous avez une autre préoccupation pour changer cela. Est-ce que je peux répondre maintenant? Ok, oui. Je vous dis que une question de pagination des données dans JSON. Parce que les données, on les reçoit et on les traite. Si c'est une question de pagination, on va essayer de suivre les données. On part sur une autre page, on exécute les données, on part sur une autre, etc. Mais parfois, on voit qu'en faisant cela, ça traîne beaucoup plus parce qu'il y a beaucoup trop de volume de données. Comme vous avez vu, il y a des millions de data points ou des points de données. Donc, si c'est une centaine, imaginez le nombre de personnes qui doivent traiter cela page par page. Ça cause beaucoup de retard. C'est pour cela qu'on était obligé de réduire la taille des volumes de données transférées. On les transforme dans le total data que vous avez vu et on réduit le nombre de commandes qui sont moindres à exécuter. Donc, merci Mahmoudoul. Je crois que ce que vous dites est très technique. On ne pourra pas entrer trop dans les détails. Donc, on va avancer. Est-ce qu'il y a une autre question pour les présentateurs? Sinon, ce sera pour plus tard. Maintenant, on va parler du registre de vaccination et des modules de connexion avec le DHS2. Bon, je crois qu'il y a peu de questions pour les présentateurs en ligne, donc nous vous remercions. J'espère que vous ne vous êtes pas senti trop loin de nous, donc on va acclamer pour vous. Merci. Maintenant, on va aller au prochain orateur, Vincent. Je vais voir si je peux retrouver votre exposé. C'est bon, le micro est allumé et vous pouvez commencer votre présentation. Donc, Vincent, à vous la parole. Bonsoir. Bonsoir à tous. C'est comme si on a beaucoup trop mangé. Donc, je m'appelle Vincent Minde. Je suis analyste principal des systèmes à l'Université de Dar es Salaam en Tanzanie. Je vais vous présenter le cas de iCare, comme vous voyez à l'écran, ou le soin intégré en français. Donc, en fait, c'est un système d'information sur la gestion des hôpitaux
que nous avons développé à l'Université de Dar es Salaam. Et j'ai 10 minutes pour vous faire une présentation, donc je vais aller un peu vite. Ici, je vais vous donner une sorte de background de comment est-ce qu'on a évolué dans le processus d'implémentation des systèmes d'hôpitaux en Tanzanie. Donc, on a beaucoup travaillé à l'Université de Dar es Salaam. On a aidé au déploiement de systèmes comme AfyaCare, qui est à Manyara, et aussi on a aussi travaillé à Bami, pour ceux qui connaissent. Donc, durant le déploiement ou la dissémination, il y a eu beaucoup de difficultés. On ne pourra pas en parler maintenant, mais je vais quand même vous parler de quelques-uns. Comme je disais, il y a des difficultés, mais il y a eu des motivations. Premièrement, nous sommes un laboratoire d'innovation, donc on aime innover. Premièrement, pour notre motivation, il y a l'intégration des HCS2 parce que. That after an EMR has been implemented, let's say in a facility, then you start realizing that. Donc, vous vous rendez compte que souvent dans les ministères, on ne fait pas les rapports des données, le reporting des données dans les DHSD. Ils se disent qu'ils ont déjà des systèmes, mais pourquoi entrer dans DHSD pour pouvoir entrer les données? Donc, cela a été un problème en Tanzanie jusqu'au point où un membre du ministère a dit que peut-être dans 3 ans, les gens ne vont plus utiliser DHSD parce qu'ils pensent avoir déjà leur source de données. Donc, nous, c'était une motivation pour changer les choses. Évidemment, entre autres, à part le problème de déploiement, il y a des problèmes de défragmentation, d'architecture, etc. Je ne vais pas trop en parler maintenant parce que ce serait pour une autre session. On peut en parler même en privé si vous voulez. Mais maintenant, nous avons tout fait pour pouvoir résoudre ces problèmes-là de diverses manières. Et pour cette session, je vais juste me concentrer sur l'intégration de DHSE. Et je veux dire que nous avons mis sur pied un nouveau cadre. Permettez-moi de reprendre en disant que, vu les difficultés que nous avons pour créer un nouveau EMR, c'est-à-dire un nouveau système pour les hôpitaux qui se base sur le Open MRS. Donc, nous avons dû ajouter le module d'intégration parce que c'est très important pour nous, pour ce qui est du reporting des données dans le DHIS2. Donc, après le reporting dans DHIS2, je vais vous parler maintenant du parcours du patient. Et dans l'innovation, il y a un certain parcours pour le patient qui passe via un processus de consultation. Et dans notre cas, en Tanzanie, il y a d'abord le processus d'inscription, de facturation, de consultation de laboratoire et puis de pharmacie. Vous savez, les choses peuvent avancer selon le cas lui-même, quel patient aussi. Mais voici un peu le parcours type. Pour la plupart du temps, on a essayé d'avoir un design approprié, une conception de l'architecture appropriée pour iCare. Nous avons utilisé le Open MRS et nous avons créé un module sur le Open MRS. Vous voyez en haut là-bas les domaines qui sont en haut, mais c'est trop grand pour qu'on en parle maintenant. Il faut des sessions spécifiques pour cela, mais je vais me focaliser, comme je disais, sur l'intégration de DHIS2. Parce que c'est de ça que parle cette session en particulier. Notre idée pour ce qui est de l'innovation, si vous avez entendu parler du terme KISS en anglais, qui signifie keep it short and simple, c'est-à-dire garder ce que vous dites court et simple, ça signifie que nous aussi, à notre niveau, on fait les choses de manière assez simpliste pour être sûr que les gens puissent y avoir accès sans problème. Donc, l'un des problèmes que nous avons rencontré en voulant vers l'intégration des systèmes, parce que nous sommes aussi impliqués dans l'intégration de plusieurs systèmes dans le DHIS2,
c'est le fait que les gens ne connaissent pas beaucoup pour ce qui est de l'API de DHIS2. Donc, vous faites face à beaucoup de difficultés lorsque vous voulez leur faire comprendre comment est-ce que DHIS2 fonctionne, partager les API avec eux. Donc, c'était une difficulté que nous avons rencontrée. Parfois, c'est comme si vous êtes obligé de créer des médiateurs, essayer de leur donner des bribes pour qu'ils puissent comprendre ce dont il est question. Maintenant, à partir de là, vous pouvez faire des extrapolations et ainsi travailler dans un environnement sain. Mais on a rencontré beaucoup de difficultés parce que les choses changeaient, les gens changeaient également leur système. Il y a beaucoup de choses qui pouvaient tourner au vinaigre et rendre cela compliqué pour ce qui est de la structure que nous essayons de créer. Alors, dans le EMR que nous avons créé, le module d'intégration travaille de manière à ce que cela enlève une charge à l'utilisateur pour ce qui est du DHIS2, parce que l'outil télécharge les métadonnées dans DHIS2. Vous savez que dans DHIS2, on a la forme agrégée du design et tout ça. Donc, l'outil télécharge les métadonnées et puis montre la forme finale à l'utilisateur. Maintenant, à la fin, c'est le développeur du système ou bien l'administrateur du système qui sait vraiment ce que représentent ces données. Maintenant, c'est à eux de faire la cartographie de chaque élément de données ou des data elements. Et en général, ils disent que cet élément de données ou cette catégorie a à voir avec X ou à voir avec Y. Donc, c'est aussi simple que ça. Ils ont juste besoin de savoir de quelles données ils ont besoin et ils ont besoin d'extraire ces données-là. Et l'outil va prendre la relève à partir de là. Après la cartographie faite, ça renvoie les données dans DHIS2. Donc, on essaie d'alléger la tâche à ceux qui veulent faire quelques mappings que ce soit ou quelques cartographies que ce soit. Et c'est ce que nous avons fait. Et dans OpenMRS, il y a un outil d'intégration dans DHIS2. Et le problème que nous avons rencontré, c'est la transformation du OpenMRS qui ne prend pas en charge tous les types de données dont on avait besoin à DHIS2. Donc, si on avait besoin d'aller un peu plus loin. Donc, voici un peu le design primaire que nous avons dû adopter. Voilà l'architecture d'intégration que nous avons adoptée chez nous. J'ai encore 1 minute 37 secondes, s'il vous plaît. Donc, maintenant, ce qui reste, c'est les questions de déploiement dans les hôpitaux. Ici, on est en train de former les gens et renforcer leurs capacités. Et finalement, on essaie de créer une sorte d'écosystème. Donc, nous avons déployer le MRS dans 2 établissements de santé. On essaie d'ajouter des fonctionnalités. Si ça ne marche pas, on essaie de faire une sorte d'examen, d'améliorer vers une mise à jour pour s'assurer qu'on ne crée pas quelque chose qui ne sera pas utilisé. Donc, on crée une sorte d'écosystème autour des parties prenantes, notamment le ministère de la Santé, les partenaires d'implémentation et des autres établissements de santé. Donc, on a fait cela avec les communautés open source également. J'ai 30 secondes encore, permettez-moi de terminer ce que je disais, mais bon, c'est bon, je m'arrête là, merci beaucoup. Merci beaucoup Vincent de la présentation. Maintenant, vous avez vu que l'innovation à l'Université Dar es Salaam est très importante. Donc, merci beaucoup de la présentation. On va passer à la suivante. Oh, Vincent, we could have left you here. Ah, Monsieur Vincent, on aurait pu vous laisser encore ajouter quelques informations, peut-être 2 points. Mais bon, nous allons continuer.
I feel so bad, Vincent. I've stolen a minute and a half. Vraiment navré, Monsieur Vincent, je vous ai pris une minute et demie. On a un accord depuis très longtemps. Bonjour, je m'appelle Yong de RISP Vietnam. Je suis avec mes collègues. Nous sommes là ce matin pour vous faire la présentation pour ce qui est de l'innovation de COVID-19 à l'aide du DHS2. On va commencer par le background. Donc, on a une surveillance basée sur les cas et également le registre de vaccination. Nous l'avons pris dans des paquets de métadonnées personnalisées COVID-19 DHIS2 Tracker. Donc, je vais me focaliser aujourd'hui dans mon exposé sur les pré-enregistrements des vaccins, également le certificat national de vaccination, puis le certificat de vaccination pour le voyage et également l'application mobile. Donc, nous partons sur le pré-enregistrement pour la vaccination. Donc, qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'un système en ligne sur lequel les gens peuvent réserver leur vaccin à l'avance. Maintenant, pourquoi est-ce que nous avons ce système? Pour réduire la pression sur les sites de vaccination, parce que plusieurs personnes viennent sur les sites et il y avait un grand nombre de personnes. Donc, ça créait une sorte de chaos et un désordre, un véritable Capernaum. Donc, on a vu que c'était beaucoup de travail à faire pour ceux qui collectaient les données. Donc, en mettant ce système, on pouvait réduire la charge de saisie de données pour les agents de santé. Maintenant, je disais pourquoi. Parce que quand les gens font le pré-enregistrement, ils peuvent entrer leur information personnelle eux-mêmes parce qu'ils ont déjà les données disponibles avant qu'ils ne viennent chez le médecin ou l'infirmier. Donc, que contient ce système? Il se compose de trois éléments. Premièrement, le DHIS2 avec une application personnalisée pour mettre en œuvre le système et également ça a un service de personnalisation pour le backend et un portail public en ligne. Ça connecte les données au DHIS2, comme je disais, au portail public. Et maintenant, je vais partir à la prochaine diapo. Je pense que c'est la diapo la plus importante pour la présentation d'aujourd'hui parce que c'est pour comprendre comment est-ce que ce système fonctionne. Donc, vous voyez dans la colonne bleue, on a le système DHIS2 version 2.35 et à l'intérieur, nous avons les programmes de vaccination. Et il y a les applications personnalisées pour le système de pré-enregistrement et également pour le certificat de voyage. Dans le carré orange qui est à droite, c'est le portail public et l'application mobile qui travaillent quasiment de la même manière. Dans le portail public, toute personne peut avoir accès et peut faire le pré-enregistrement et générer un certificat ou faire la demande pour un certificat de voyage. Alors, vous avez vu dans la vidéo comment ça se passe, mais bon, ici avec ces graphiques-là, on comprend un peu comment ça fonctionne, comment on fait pour collecter les données de DHIS2 pour le portail public. Maintenant, c'est via les données collectées qu'on peut générer les certificats pour le client. Pourquoi on a alors ce système? Parce que dans le portail public ou dans l'application, on peut avoir accès aux données directement. Mais ce n'est pas recommandé parce que si nous faisons cela, il y a des fortes chances
que des informations très sensibles seraient exposées au public, que ce soit les URL ou les noms d'utilisateurs ou les mots de passe. C'est pour cela qu'il y a un système qui est au milieu de ce système qui permet de faire le filtrage des données. Ici, je vous montre des fiches de préenregistrement. La première montre là où les gens se rendent pour pouvoir entrer les informations. Maintenant, à droite, c'est là où les gens peuvent choisir leur site de vaccination et choisir également la date qui leur convient. Et le dernier, on voit en bas là-bas, les gens choisissent l'heure à laquelle ils veulent se faire vacciner parce qu'on a essayé de départager les heures de vaccination parce qu'on ne veut pas que beaucoup de personnes viennent au centre de cette vaccination au même moment. C'est pour cela qu'il y avait des temps, des heures qui étaient spécifiées. Maintenant, vous voyez en bas avec le QR code, on a écrit que le préenregistrement est un succès. Donc, quand on a le QR code, les gens prennent une capture d'écran du QR code, viennent sur le site de vaccination, ils montrent le code QR à la personne qui est sur le site, qui scanne le code avec l'application personnalisée de HTS2 pour pouvoir entrer les données directement pour cette personne. Alors, voici ce qui est concernant le système de préenregistrement. Maintenant, je vais parler de certificat national, qui est une preuve de la vaccination des gens pour dire que les gens peuvent utiliser cela pour rejoindre les activités publiques comme l'école, les hôpitaux, les restaurants, etc. Et dans le certificat national, on a les informations personnelles, les données de vaccination et le code QR dont je vous ai parlé. Maintenant, il y a deux types de certificat national. Il y a une copie papier et une copie numérique. Pour ce qui est de la copie papier, quand les gens partent au site de vaccination, on leur imprime une copie papier via le DHIS2. Donc, vous avez la copie papier et ensuite, il y a la copie numérique où les gens téléchargent l'application mobile et partent dans App Store ou Google Play Store. Selon leur téléphone, ils entrent les informations, ils ouvrent l'application, ils entrent les informations et puis ils ont le certificat. Donc, voici un peu une capture d'écran de ce à quoi ressemble le certificat. On a la date, les données de vaccination, le QR code. On a après les fonctionnalités en haut à droite pour imprimer la copie. Soit recto, verso, le QR code uniquement ou bien toutes les informations. Donc, voilà un peu ce qu'il en est de notre application mobile. Les gens peuvent entrer les informations. Vous voyez la troisième et la quatrième capture d'écran, c'est dans l'application mobile où il y a un fond vert qui montre que les gens sont totalement vaccinés. Mais si vous avez une seule dose, ce sera en jaune. Maintenant, la dernière capture d'écran montre les gens comment on utilise l'application pour vérifier les codes de QR. Je vais en parler plus tard. Maintenant, je vais vous parler du certificat de vaccination pour ceux qui voyagent. C'est très similaire au certificat national, mais celui-ci, on peut l'utiliser sur le plan international. Donc, dans le certificat de vaccination pour le voyage, c'est comme le certificat de nationalité qui comporte les informations personnelles, le numéro de passeport, la date de délivrance du passeport, etc. Et un code QR, évidemment. Maintenant, comment est-ce que les gens peuvent demander un certificat pour le voyager? Ils partent sur le portail, ils demandent le certificat et puis il y a l'équipe du personnel de santé qui vérifie la requête. Et il y a deux manières pour que les gens puissent avoir le certificat de voyage. Et premièrement, ils viennent comme
à l'heure qu'il aurait programmé pour pouvoir apprendre cela, mais des fois, on envoie le certificat via mail à cette personne-là. Donc, à droite, vous voyez la liste de la requête des gens et à gauche, quand on veut vérifier, on clique sur « Vérifier » et puis on a cette capture d'écran. Si l'information est correcte, alors on clique sur « Vérifier » et « Générer ». Donc, quand on clique là-dessus, le certificat sera imprimé sous forme papier. Et si les gens veulent l'avoir de manière électronique via courriel, ce sera envoyé également. Donc voilà à quoi ressemble le certificat de voyage. Donc je vais expliquer un peu le code QR. Notre code QR est cryptographique et cela ne peut pas être falsifié. Et comment est-ce qu'on génère les codes QR? On utilise une combinaison de clés. Le premier, c'est une clé privée et le deuxième, c'est une clé publique. Donc, on utilise cela pour générer le code QR sur le privé. Et maintenant, le code public, on l'utilise pour pouvoir vérifier le code QR. Donc, c'est ce que nous faisons. Nous donnons le volet privé seulement aux gens. On garde la clé publique dans nos serveurs. Donc, la clé publique est utilisée pour la vérification et la clé privée est utilisée par le public. Donc, on peut donner la clé publique à une organisation qui veut scanner nos codes QR. On peut le donner, par exemple, à l'organisation qui est dans les pays de l'Asie de l'Est qui font leur vérification et puis ils scannent notre code QR pour faire la vérification. Donc, un autre moyen pour vérifier le code QR, c'est qu'on utilise le portail public et on fait la vérification. Donc, voilà ce que j'ai à dire. Je vous en remercie. Merci beaucoup. Simona's making me feel very bad now. I thought we had 90 minutes. But we have 2 hours. So I've been bullying. Je crois qu'on a encore 60 minutes parce que nous avons 2 heures. On a encore du temps. Donc je peux rappeler tout le monde. Si je mets Vincent encore ici pour faire la présentation, c'est qu'il prend beaucoup de temps. Mais bon, on pourra beaucoup discuter après. Pour ce qui est du code QR au Vietnam, c'est très intéressant. Ça se base sur les spécifications de l'Union européenne. Oui. Ce que je vais faire, j'invite Comfort. Je vais chercher votre diapo. Now Vincent, you I feel really bad for. Vincent, je suis vraiment navré pour toi. Parce que je t'ai mis en dernière position, mais ce n'était pas mon objectif. Oh, you're there. Yeah. All right, good. So, Simone, if I hear you, we have until 3. Alors, si je comprends bien, on a jusqu'à 15 heures. Take your time.
Yep. Would it be fair to others? Not really. You have like, okay, let's go till about, you can have about 15, 20 minutes. Oh, okay. And then maybe we can bring the other guys back up. He hasn't fled. Where's Dungon? Oh, no, he's just moved back. After Comfort has finished his presentation, maybe Vincent, if you don't mind. And après la présentation de Comfort, peut-être Vincent va revenir. On pourra avoir une discussion. Est-ce que vous pouvez m'entendre? Super. Bon après-midi à tout le monde. Je m'appelle Comfort Manka. Je travaille au niveau de HISP Afrique du Sud et aujourd'hui, je vais vous parler de l'interopérabilité et le travail qu'on a fait sur le projet HRIS en Afrique du Sud. Voilà le plan de ma présentation. Je vais vous donner un aperçu par rapport au chemin qu'on a parcouru et je vais vous présenter l'architecture et les leçons qu'on a apprises. À partir de là où nous avons commencé, jusqu'à là où nous sommes, je vais aussi vous parler de l'évolution de l'architecture avant de vous partager les perspectives d'avenir. Nous travaillons avec le département national pour la santé et il y a une stratégie de ressources humaines 2030 et nous utilisons cela comme un guide dans la mise en œuvre de ces solutions. Avec le système HRH, il y a des questions auxquelles nous essayons de répondre au niveau du ministère. Où se trouvent le personnel soignant, combien d'infirmiers, combien de docteurs? Est-ce que nous pouvons savoir, par exemple, le nombre d'infirmiers dont nous avons besoin pour réaliser la couverture santé universelle? Voilà le type de questions auxquelles on essaie de répondre avec le système HRIS. Le système a quatre composantes ou quatre produits que nous avons pu avoir. Le premier produit, c'est le registre. Nous utilisons un serveur, c'est, n'est-ce pas, un fichier de registre qui nous montre là où se trouvent les différents différents membres du personnel soignant. Nous utilisons les HST comme notre entrepôt de données. Et il y a aussi le portal HRH. Qu'on utilise. Et puis, en dernier lieu, nous avons le module de planification HR. Aujourd'hui, nous sommes en train d'utiliser ce qu'on appelle intelligence artificielle pour pouvoir atteindre nos résultats. Voilà les différentes composantes, comme je l'ai déjà mentionné. Et l'architecture avec laquelle nous avons débuté, vous pouvez la voir ici. Nous obtenons les données à partir du système PERSAL, un système qui est utilisé par le ministère pour pouvoir stocker les données par rapport aux différents fonctionnaires. Mais notre focus aujourd'hui, c'est le personnel soignant. Nous obtenons aussi les données à partir des municipalités, sans oublier les données du secteur privé. Les autres données que nous utilisons ou les autres sources, c'est des HIS2 pour, n'est-ce pas, les données de routine. Nous obtenons également des données à partir de NFL. Comme je l'ai déjà indiqué un peu plus tôt, nous avons également le registre. Nous obtenons les données à partir des sources. Et nous utilisons OpenHIM comme une couche d'interopérabilité. Après nous envoyer les données au niveau de l'entrepôt. Je vais vous donner plus de détails lorsque je serai en train de parler des mises à jour. Au niveau du portail,
j'ai déjà fait mention de cela. C'est là où les ministères, différents ministères cherchent les informations par rapport à l'endroit où se trouvent différents membres du personnel soignant. Ça permet aussi au système COVID-19 à avoir accès à différentes données, des données qui sont très utiles pour la vaccination. Voilà les leçons qu'on a tirées. Nous n'avions pas de la flexibilité pour vraiment opérer des changements, ça nous prenait beaucoup de temps. Et le processus d'agrégation nous prenait également pas mal de temps. Et, il fallait, par exemple, si les utilisateurs aimeraient connaître les dossiers, le dossier des individus qui ont conduit aux données ou aux chiffres agrégés, il y avait vraiment des difficultés. Nous avons aussi appris que le registre FHIR, c'est un nouveau standard et nous avons encore différents systèmes qui peuvent communiquer en utilisant le FHIR. Voilà. La mise à jour de l'architecture qu'on a dû faire. Je vais maintenant vous donner plus de détails en analysant chaque composante avec le système. Voilà, nous avons toujours la même architecture. Il y a les sources, les différentes sources PERSAL et autres sources. Nous obtenons des données à partir du système de routine des HIS2. Et puis, ce que nous avons fait avec la mise à jour, nous avons introduit ce que nous appelons un lac de données. Au lieu d'envoyer les données agrégées vers DHSD et de manière directe, nous envoyons les données à partir de ETL. Et à partir de là, nous envoyons les mêmes données, les données agrégées. Nous faisons l'agrégation au niveau du modèle dimensionnel et nous envoyons ces données au niveau de DHISL. Nous avons aussi ajouté la composante d'intelligence, artificielle, et pour avoir de meilleurs résultats. Pour ce qui est du portail ou la visualisation, nous avons toujours un tableau de bord dans des HS2. Il y a toujours le portail web. C'est là où nous faisons nos visualisations. Et nous sommes en train d'essayer d'introduire des outils beaucoup plus avancés. Aujourd'hui, nous avons, n'est-ce pas, quelques difficultés. Mais nous avons essayé avec l'outil qu'on avait, mais il y avait quelques soucis. Aujourd'hui, nous essayons d'utiliser Soupasset pour faire des analyses très, très avancées. Voilà l'architecture au complet. Il y a quelques changements avec l'introduction de Dimensional Model Data Store. C'est l'entrepôt de données et ça a amélioré la situation. Voilà, il y a eu beaucoup d'avantages. Maintenant, nous sommes en train d'utiliser FHIR plus Happy FHIR. Et aujourd'hui, nous prenons en charge ce qu'on appelle les Mobile Care Services Discovery Profile. Et nous essayons aussi d'utiliser AIDX pour atteindre nos objectifs. Et nous utilisons un peu plus d'outils pour arriver là où nous voulons arriver. Et différents avantages de cette mise à jour, si vous opérez des changements et que vous introduisez de nouveaux éléments de données, ça devient facile. Et
les demandes sont plus optimisées. Nous avons ajouté les capacités d'apprentissage par la machine. Et nous pouvons, n'est-ce pas, traquer où se trouvent différentes données. Et il est également possible de faire des analyses très, très avancées. Par rapport à HRIS, le projet sur lequel nous sommes en train de travailler, nous sommes en train d'introduire l'apprentissage par la machine et des analyses prédictives. Et nous essayons d'utiliser les différents outils pour un reporting avancé. J'aimerais remercier l'équipe qui a vraiment travaillé corps et âme sur le projet. Et voilà, voilà ici les différentes informations sur HISP Afrique du Sud. Je vous remercie tous. J'ai dit à tout un chacun que voilà, il y a 10 minutes additionnelles. Alors, désolé, je vous ai donné vraiment très peu de minutes. Et je vais maintenant vous inviter tous à revenir au podium. Comme ça, on aura une opportunité de répondre aux questions aussi. Bien sûr, Yana. Nous avons, si vous voulez, plus de 30 minutes. Nous avons environ 40 minutes pour répondre aux questions. Il y a également les trois présentateurs en ligne. J'espère qu'ils sont toujours en ligne. Oui, nous sommes en ligne. I don't know. You don't have much security. Yeah, please, Ranga, go ahead, make a comment. Ranga, vous pouvez faire un commentaire. On aimerait avoir, n'est-ce pas, plus d'informations par rapport à l'intégration des applications mobiles. Qui a posé la question? C'est Ruanga et qui nous vient du Zimbabwe. Nous sommes en train d'utiliser le fichier HAPI, plutôt HAPI Fire, et ses ressources, c'est ce que nous utilisons. Nous utilisons la location, nous utilisons également les règles de partition et tout cela est combiné avec les standards, les autres standards. Voilà la manière dont nous procédons. Je pense qu'on pouvait, n'est-ce pas, que vous pouviez spécifier les services qui sont fournis par différents établissements. Est-ce que c'est possible de voir les différents services disponibles dans tel ou tel établissement? Est-ce possible? Vous serez capable, si par exemple vous avez les locations, vous serez aussi capable d'identifier les services qui ont été fournis, à moins que je ne comprenne pas votre question. Avec cet outil, vous avez la location, mais aussi les horaires. Merci beaucoup, Hong. Merci. Il y a une question derrière.
Where's the mic? This is Alexa open function. Those are about this. Can you hear me? Okay. Thank you all. It was really fantastic to hear how you. Merci. C'était intéressant vraiment d'entendre les solutions que vous proposez. J'ai des questions. La première question, c'est à Confort. J'étais curieuse de voir comment vous avez vraiment adopté un médiateur personnalisé pour avoir les solutions. Ok, for the mediator, pour le médiateur, afin de partager les données avec le système de COVID-19, nous avons développé un médiateur et nous l'avons installé sur OpenIM. So it's not on the it's not on the library yet. Okay. Yeah, maybe it's something that we, if you know others want a similar thing, maybe something that we can push to the library. It's not there yet. Okay. Yeah, and okay. For the ETL tool we're using Airflow, right? So it's handled by C++2, but for the data it's just a pass through the OpenIM, but the processing everything is done through Airflow. Okay, yeah. Gotcha. So processing through Airflow and then routing it through the custom on OpenIM. Yeah, yes. Awesome. Okay. And then for Vietnam and Tanzania, just questions for you all with not using a central interoperability layer like OpenIM. How are you all handling central, or not central, but just logging and auditing of these transactions to monitor, you know, the success or failure of different syncs? Yeah, I think we need a mic. Yeah, in Tanzania we actually use OpenIM. Okay. So OpenIM comes in the middle, all the AMRs pass the data through OpenIM. Gotcha. Yeah. Sorry, I missed that. Dong, are you reaching out to Morten? Yeah. Can you repeat the question, please? How do you handle logging or auditing of the different transactions? So if there's a failure or if you want to see an audit trail of the different syncs, where is that managed? You don't have a bit of way How do you do that in DHS2? No, because the logging in, like, you have the DHS to audit and everything, right? So we're just looking for that one. Pour ce qui est de la question concernant comment on gère le service DHCS2, désolé, nous avons eu un problème technique entre-temps. On reçoit les données et puis on les envoie dans DHCS2. Nous ne faisons rien. Disons en dehors de DHCS2. Je voulais juste que vous soyez un peu plus spécifique. Est-ce que vous dépendez d'un système qui vous permet de gérer lorsque quelqu'un initie une action? Oui, le nom d'utilisateur s'affiche. Et donc, on connaît la personne qui se connecte. Nous n'entendons pas très bien l'orateur qui n'a pas de micro dans la salle, s'il vous plaît. Okay, just not visible necessarily in detail. Cool. Thank you. I think there's a general principle somewhere behind that question. Pour la question, je crois que c'est un principe générique. On est d'accord qu'il y a plusieurs variété de modèles d'implémentation dans tous les pays, ce qui fait que parfois c'est un peu
difficile de voir quelle partie structurelle est vraiment réutilisable. Donc, Adrien, je crois que vous voulez ajouter quelque chose. Attendez d'abord. Ok, merci. Ma question, c'est pour Comfort. Je comprends que vous utilisez DHS2 dans Fire. Ma question est de savoir comment est-ce que vous gérez les ressources de Fire dans le contexte du DHS2. Dans notre cas, on utilise Fire. Donc, je veux comprendre comment vous faites la transformation à votre niveau. En fait, c'est déjà fait dans Fire sous forme de Python script, donc avec Python. Donc, c'est comme ça que nous faisons cela. On fait la cartographie et tout cela dans Fire. Je crois que il y a une autre question. Il n'a pas levé la main, mais il semblait préoccupé. C'est vous le père de ADX, donc je vais vous laisser poser la question qui a rapport avec ça. Je crois que la plupart des gens ici ont eu affaire à l'interopérabilité, voir comment est-ce que les données puissent être utilisées dans différentes plateformes. Il y a les personnalisations également, mais je veux savoir si vous avez regardé les produits qui existaient déjà, qui ne pourraient pas vous aider. Est-ce que vous étiez obligé de créer une personnalisation vous-même ou bien... C'est quoi le problème? Il n'y a aucun moyen existant qui soit réutilisable à votre niveau. Ce n'est pas une question pour une personne en particulier. Tout le monde peut répondre. Hein? Alors, dans notre cas, je vais dire que lorsque nous essayons de faire l'intégration, souvent, c'est une personne qui ne s'y connaît pas dans la technologie, donc c'est très difficile pour la personne de l'utiliser. Donc, une chose que j'aimerais dire avant que Bob m'empêche de finir mon exposé, c'est que nous avons essayé d'extrapoler la mise à jour. Nous avons essayé de bâtir sur ce qui existe déjà pour que le standard Fire puisse être respecté. Il y a plusieurs vendeurs qui sont des fois réticents à accepter les normes ou les standards qui existent. Donc, nous avons créé notre mapping qui est un peu plus simple pour que nos utilisateurs puissent facilement y avoir accès. C'est la simple raison pour laquelle nous avons d'autres personnalisations à part ce qui existe déjà. De notre côté, j'aimerais dire que durant la pandémie, quand on a développé nous-mêmes nos solutions pour DHIS2, c'était pour résoudre certains problèmes spécifiques, mis à part le fait qu'il y a déjà des personnalisations disponibles. On avait besoin de
régler les problèmes le plus rapidement possible. C'est pour cela qu'on a fait les... C'est pour cela, pardon, qu'on a fait les personnalisations de notre côté. Désolé pour les coupures. Nous avons du mal à suivre l'orateur. Maintenant, pour ce qui est des médiateurs dans la partie verte que je vous ai montré lors de mon exposé, nous avons utilisé THCS2 pour le portail web et également des open source. Donc, c'est open source. On utilise ce qui existe. Vous savez, ce n'est pas évident pour tout le monde, mais c'est pour cela que nous utilisons le open source pour que tout le monde puisse y avoir accès et que ce soit une plateforme intuitive. Vous avez deux outils DHCS2 et puis le module HISP. Est-ce une application dans DHCS2 ou une autre application indépendante? En fait, nous avons utilisé les normes de l'OMS pour voir dans chaque domaine. On a besoin peut-être de combien de professionnels pour pouvoir atteindre les objectifs. Donc, on a utilisé Superset pour cela. Maintenant, pour les perspectives, on essaie de s'améliorer via l'apprentissage en ligne. Donc, on essaie de collecter plus d'informations et voir comment est-ce qu'on pourra progresser. Donc, voilà un peu ce dont il est question. On fait les calculs sur Superset 7. Bon, je connais un peu le HISP Vietnam et je crois que vous avez raison. C'est une chose qu'il faut vite faire pour ce qui est des vaccins de COVID-19 et que l'on demande beaucoup. Je sais qu'il y a eu des discussions pour ce qui concerne le DIVOC. Il y a eu des complications. C'est plus des complications politiques que techniques, je crois. Et à la fin, ils ne sont pas partis de rien parce que l'Union européenne avait déjà une manière de faire les vaccins de COVID-19. Donc, ils se basent sur le modèle de l'Union européenne. Maintenant, pour le OpenMIS, nous en avons deux aujourd'hui avec Vincent et Mpatu qui est en ligne. Et certains ont parlé des connecteurs de DHCS2 et ils n'étaient pas assez polis pour nous féliciter. Ils ont dit que c'était assez bien, mais ce n'était pas aussi bien qu'ils l'auraient voulu. Donc, il y a 10 ans, j'étais dans un hôtel au Rwanda lors d'un week-end. Ce n'était pas très super. Mais parfois, c'est convenable. Quand on utilise les open source de la même manière, ça peut pas forcément être à 100% comme vous l'aurez souhaité. Donc, ce que nous avons commencé à voir, c'est qu'on fait les efforts pour pouvoir tous converger vers un cadre d'intégration qui a une structure déjà existante dans l'équipe d'intégration. On a parlé du FHIR, mais on est en train d'encourager les groupes RISP à pouvoir faire des améliorations. Et on a vu ceux qui ont utilisé Python pour les développements et d'autres utilisent d'autres fonctions.
essayer de tout faire pour pouvoir connecter d'autres systèmes avec le DHCS2 afin de permettre à tout un chacun de pouvoir en tirer le meilleur profit. Maintenant, les gens essaient d'utiliser de plus en plus des cadres pour ce qui est de l'interopérabilité parce qu'ils ont l'impression que c'est des scripts qui sont faits au hasard. J'ai deux questions. J'ai deux questions, comme je disais. Un est pour Bob Martin et l'équipe d'intégration, et le deuxième pour vous qui avez présenté. Premièrement, pour l'équipe d'intégration, on a vu de nouvelles formes de solutions en matière d'intégration qui sont présentées dans cette académie. C'est déjà arrivé aussi par le passé. Donc, je veux demander quelle est la marche à suivre maintenant. On a vu les présentations, on a vu des publications dans la communauté de pratique. Donc, je demande si désormais, il y a une approche d'intégration qu'on va essayer de vulgariser dans chaque RISP. Ça peut être RISP ou d'autres entreprises qui essaient de trouver des solutions de personnalisation. C'est vrai, ils peuvent tirer des leçons sur ce qui est déjà fait parce qu'on a vu comment les gens font pour effectuer des contrôles, mais c'est plus adapté à la COVID pour pouvoir développer des réponses assez rapides parce que c'était un scénario inespéré et imprévisible. Donc maintenant, un deuxième point pour l'assistance. C'est que, qu'importe ce que vous avez mis en place, est-ce qu'il y a des choses qui vous empêchent à rendre tout ce que vous faites open source? Vous dites que la deuxième question, c'est pour... Ah, c'est pour tout le monde. Pour la première question, maintenant, c'est pour moi. Je suppose que lorsque nous avons commencé, c'était interne au groupe RISP. Vous savez, Château a été impliqué également et il essaie de changer la manière dont on a les discussions sur l'interopérabilité à Oslo. Et c'est une sorte d'introspection parce que on ne peut pas se parler encore et encore chaque semaine. Donc, ce que nous faisons, c'est qu'on se rencontre une fois par semaine pour que chaque groupe RISP qui travaille sur le projet d'intégration puisse se connecter ensemble pour pouvoir discuter et échanger et comprendre les différents modèles qui existent. Maintenant, désormais, qu'est-ce qu'il faut faire premièrement? Et on devra avoir des académies en matière d'intégration, on l'a jamais fait par le passé, mais également on va parler aux différents groupes RISP pour essayer de régler la question. Vous savez, ça fait plusieurs années qu'on essaie de parler d'interopérabilité et dans les RISP, ce que nous faisons, c'est essayer de participer dans tous les groupes et les forums. Donc, ce que nous faisons, c'est qu'on va essayer d'avoir des forums nous-mêmes pour se dire que, bon, voici peut-être le lieu pour parler de la communauté de pratique, entre autres, bien de ce qu'il faut faire. Donc, pour l'autre question, pourquoi vous ne rendez pas vos choses open source? C'est ça la deuxième question. Comfort, est-ce que pour vous c'est open source? Bon, en fait, tout ce que nous utilisons, c'est open source, mais pour ce qui est du médiateur, où on a notre code nous-mêmes.
vous savez, on essaie de rendre la chose assez stable. Donc, c'est ça. Mais à la fin, lorsque ce sera stable, ce sera open source. On essaie autant que faire se peut de mettre sur pied des normes pour que tout le monde puisse l'adopter. C'est ça l'objectif. Donc, plus tard, on va rendre cela open source. Et cela, je peux vous assurer que le fait d'utiliser des outils open source, ça veut dire qu'on est en train d'arriver graduellement à ce niveau-là. Ce qui est sûr, c'est que ça appartient au ministère, mais il y a des normes qu'on peut partager avec la communauté. Donc, pour le moment, ce n'est pas encore fait. Ah, donc, pour le moment, il y a des outils open source, mais il faut des identifiants. Mais à la fin, on va partager tout ça, je peux vous assurer. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a quelque chose à dire? Bon, pour ce qui me concerne, durant les deux dernières années environ, il y a la préoccupation pour ce qui est de la sécurité. Vous savez, ces questions d'intégration, ça a par exemple mentionné l'importance de l'audit, mais on s'ouvre à d'autres couches de risques. La sécurité est une préoccupation que nous n'avons pas souvent abordée. Maintenant, pour ce qui est de Vincent, qu'en est-il du fait de rendre vos choses open source? Bon, je crois que dans notre laboratoire de DHIS2, en fait, on est très enclin à être open source. On ne veut pas garder les choses pour nous-mêmes. Pour ce qui est du IMR, c'est une chose nouvelle qui est en train de se développer. Donc, il y a la question de sécurité également. C'est pour cela qu'on ne veut pas le rendre encore open source, disponible à tout un chacun. Donc, on essaie d'abord de pallier le problème, puisque quand on crée un nouveau produit, il faut d'abord savoir qu'on a des fois cette tendance à vouloir se focaliser sur les fonctionnalités que de voir les contours de la sécurité. Et à part cela, quand on rend quelque chose disponible à tout le monde, c'est-à-dire open source, les gens peuvent lire cela et parcourir cela. Donc, il faut d'abord passer un processus pour s'assurer que la communauté peut lire les codes et tout ça. Donc, ce n'est qu'une question de temps. Même si j'ai parlé des outils, petit à petit, quand on va mettre toutes les fonctionnalités, il y aura un minimum de fonctionnalités. Ensuite, on rendra cela open source pour tout le monde. Voilà, il y a aussi un argument contre le fait d'être open source que peut-être vous ne pourrez pas répondre. C'est que il n'y a pas toujours la capacité pour supporter toute la charge de travail. La crainte, c'est que si on rend ça public, c'est que il y a des risques parce que vous serez en train de soutenir des dizaines de pays. Il y a cette pression-là parce que quand les gens vont vous demander quand vous utilisez vos solutions, comment vous faites, je ne sais pas quand vous allez vous y prendre. Hein. John, vous pouvez répondre à cette préoccupation, hein, s'il vous plaît. Vous étiez là. On a présenté le travail. Et généralement, on génère le code QR quand on assigne les vérifications. Donc, on essaie de voir comment est-ce que DHIS2 peut quitter du tracker vers le portail public. Donc, le code est disponible et nous ne sommes pas très bons en documentation. Donc, Nick a rédigé un document pour ce qui est du
QR code pour expliquer comment on le fait et pour que les autres puissent aussi l'utiliser. Donc, on a rendu cela public. On a même fait une démo pour l'équipe de DHCS2 et on a également partagé avec RISP Rwanda et ils ont créé leur propre solution pour leur base. Donc, ce que vous dites, c'est qu'il faut tout rendre public. Présentement, on a un portail web, des services de vérification qui sont publics. Mais pour ce qui est de la solution mobile, du téléphone, nous sommes toujours dans l'apprentissage. On a essayé de mettre ça dans les plateformes Google Play et tout, c'est spécifique pour les pays. Donc, c'est difficile de rendre ça public. Donc, c'est difficile de rendre les choses publiques que de les rendre numériques. Il faut s'assurer que les gens puissent avoir la documentation et comprendre bien ce qu'il en est. Est-ce que je peux faire un commentaire? Ronga, vous n'êtes pas sur muet, vous pouvez parler. Bon, open source, est-ce que rendre quelque chose open source et rendre cela accessible au public? Parce que pour moi, le fait de rendre quelque chose open source, c'est plus que le fait de rendre cela disponible au public. Ça veut dire que toute la communauté devait pouvoir l'utiliser et toute la communauté pourrait contribuer pour le développement. Donc, je ne pense pas que les gens ne sont pas assez illuminés pour pouvoir apporter des contributions dans le open source. Vous savez, ce qu'il y a, c'est que le open source, que ce soit maintenant ou plus tard, il faut se rassurer parce que je pense bien que le projet open source a beaucoup plus d'exigences. Il faut s'assurer que toutes les bases sont là avant de rendre les choses open source. Donc, Alexia, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter sur le fait de rendre les choses open source, quelles sont les difficultés pour ce qui est du business model, c'est-à-dire le modèle de business, entre autres. Vous avez un micro qui vous vient pour que vous puissiez parler. Bonjour, je m'appelle Alexa. Nous avons une plateforme d'intégration SaaS et durant les dernières années, précisément cette année, nous avons essayé de prendre en compte plusieurs plateformes web. Nous avons essayé d'avancer vers l'open source. Maintenant, ce que vous dites est intéressant parce qu'il y a beaucoup de choses dans cette plateforme-là. C'est vrai, ce n'est pas forcément les meilleures choses, mais il faut d'abord faire la documentation. Notre équipe doit savoir d'abord ce qui se passe là-bas. Également essayer de préparer les fonctionnalités. Donc, pour nous, faire le open source, ça nous avait permis de pouvoir vérifier notre travail pour être sûr que c'est accessible pour que on voit comment est-ce que ça peut être facile pour les gens de pouvoir tirer profit de ce que nous avons fait et ça peut enseigner également. Donc, la question est de savoir comment est-ce que la communauté peut contribuer parce que ce n'est pas une question de rendre les choses publiques. Il faut pouvoir créer une communauté où les gens peuvent apporter des contributions, discuter ensemble pour pouvoir améliorer le produit. Donc, nous, quand on l'avait fait, on a une communauté open source qui est très active. Par exemple, on a beaucoup discuté dans la communauté OpenHI. Donc, chaque mois, on se rencontre, les gens discutent, envoient des observations, chacun partage ses travaux et puis c'est aussi un moyen pour qu'il n'y ait pas de doublons dans la communauté. Donc, on fait des vérifications croisées et dans la communauté des HGS2, ce serait bien d'avoir aussi une académie existante ou une académie qui pourrait promouvoir l'open source et également l'implémentation dans les pays. Il y a une chose intéressante pour ce qui est de la qualité, c'est que parfois, quand vous mettez des choses en open source, vous commencez à faire l'introspection en se disant « Ah, est-ce que c'est aussi bien que je le voulais ? Ah, est-ce que c'est aussi bien que ça ?» Et ça permet de s'améliorer.
mais il faut quand même attaquer la question sous l'angle de la sécurité. Parce que c'est très demandant pour ce qui est du Python script. Donc c'est un critère non négligeable. Oui, moi je voulais ajouter quelque chose pour ce qui est de la communauté. Je crois que Alex est la première personne à en avoir parlé. Mais je pense que pour chaque projet, on a besoin d'avoir une communauté donnée. Parce que si on regarde les projets open source dans le monde, il y a souvent une petite équipe pour chaque projet, une équipe qui dédie son temps au projet. Et pour ajouter à ce qui est dit, rendre les projets open source, il faut pouvoir trouver les gens qui croient en vous, qui croient en votre idée, les gens qui sont en dehors de l'organisation. Je crois que j'ai lu il y a quelques années sur le OpenHIM et ce projet s'est terminé il y a longtemps. Mais les gens continuent à croire en ce de projet et ont continué à travailler pour le développer. Je crois que cette approche peut vraiment aider. J'ai vu beaucoup de présentations sur l'intégration et c'est similaire à ce que nous faisons en Afrique de l'Ouest. Je ris, hein, parce que ce serait bien de voir ce que les autres sont en train de faire pour que je n'ai pas besoin d'écrire des connecteurs pour 15 pays, par exemple. Je peux prendre de ce que vous avez, mais malheureusement, des communautés manquent, donc les gens ne sont pas au courant de ce qui se passe dans le monde, et donc il faut réfléchir ensemble pour voir comment rendre les choses publiques. Je vous en remercie. Yeah, thanks, Bob. This is Dr. Basharat from Pakistan. Merci beaucoup. Moi, je viens du Pakistan. Je veux parler de la question du open source pour ce qui est du DHIS2. Je pense qu'il y a la question de la sécurité des données et quand on rend les choses open source, et on peut mettre à la disposition de codage des données et pour que l'organisation qui l'utilise puisse s'assurer de sa sécurité. Je pense qu'on peut prendre ces facteurs en compte si on veut rendre les choses open source. Bon, pour ce qui est du DHIS2, je pense que l'un des avantages que nous avons à ce niveau, c'est parce que nous avons beaucoup de personnes qui l'utilisent. Il y a beaucoup d'ajouts, des fois par nos amis, parfois par des gens qui ne sont pas nos amis, qui partagent quand même les résultats avec nous. Et l'un des avantages d'être ouvert, c'est que vous avez l'opinion des autres et c'est ce que nous voulons encourager. Il y a peut-être un projet où vous ne savez pas comment faire le contrôle de la qualité, donc on a besoin de l'avis des autres. HISP au Pakistan, par exemple, que j'ai visité il y a 3 semaines et c'était la première fois que je me rendais au Pakistan, mais l'un des domaines sur lequel ils sont en train de se focaliser parce que le Pakistan est un pays compliqué en matière d'implémentation. Il fallait se focaliser sur le problème d'interopérabilité. Ils voulaient se positionner comme des partenaires d'intégration. Donc, on a discuté avec Pakistan pour essayer d'améliorer les choses. Il nous reste 2 minutes. Quelqu'un pour le mot de fin? Vlad, est-ce qu'il y a quelque chose à dire ou John? Bon, je veux dire qu'on a commencé à utiliser EDX il y a environ 5 ans. Et quand on a commencé à l'utiliser, on pouvait envoyer des centaines d'enregistrements de données dans DHIS2. Et quand c'est 200, ça prend 1 heure. 300, c'est 3 heures.
Donc, Bob nous a beaucoup aidé avec son équipe pour pouvoir résoudre le problème. Mais c'est encore un défi pour voir comment utiliser les DX, quelles sont les difficultés dans l'utilisation des DX et pour le transfert des données. Non, je pense que c'est une chose que nous voulons mettre en œuvre, mais nous n'avons pas encore commencé à utiliser IDX. Nous utilisons Fire de notre côté et nous faisons l'agrégation. On explore la possibilité de IDX, mais il y a plusieurs choses que nous pouvons apprendre chez vous. Le micro de l'orateur, s'il vous plaît. Le micro de Bob, s'il vous plaît. Bon, j'ai quelque chose à dire avant la fin. Si nous avons des ateliers d'intégration, il faut souvent prendre un exemple, modifier ce que nous avons déjà dans nos divers ateliers pour pouvoir améliorer aussi nos présentations et nos exposés. January never works, so it's probably February next year. It was our betting man. D'ici février de l'année prochaine, on aura une semaine pour ce qui est de l'intégration, on fera un atelier là-dessus. Donc voilà ce qu'il en est. Donc voici, il est l'heure, je vous en remercie. Nous partons pour la pause café. I keep forgetting that they are there. Yeah. Oui,